abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo. Attendez deux minutes, étant donné qu'on est sur une saga mal de tête, ça serait pas un luxe d'en voir ensemble le résumé d'intro, hein? Les morts parlent. La galaxie a entendu un mystérieux communiqué, une menace de vengeance de la sinistre voix du défunt empereur Palpatine. La générale Leia Organa envoie des agents recueillir des renseignements, tandis que Rey... Stop, arrêtez tout! Qui est le connard en charge du prompteur? C'est pas moi! Ça m'a pas aidé du tout. Ah, le méchant Kylo Ren qui prend son pied à tuer des méchants à tour de bras. Ça va, je comprends, hein? Ah, il gâche pas son plaisir, hein, le coquin. Et hop là. Je vous connais pas, mais je vous déteste. Oui, alors je sais, ce n'est pas le bon sabre. Il était plus en stock, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ça, c'est des avantages, c'est sûr, mais est-ce que vous savez faire ça? Pas le boogie boogie avant de faire vos prières le soir. Pas le boogie, pas le boogie boogie. Après, ça se prête pas trop au personnage, ça c'est sûr. Ah d'accord, donc visiblement, il y avait une espèce de boussole à choper alors, d'accord? Globalement, il est quand même souvent bougon, hein, cet homme-là, hein? On est d'accord? Je vais trouver l'empereur fantôme et lui péter les rotules. D'accord, Kylo Ren, ça me semble être un beau projet. Il habite loin, ce con-là. Bon, je vais me mater un petit épisode Netflix en attendant. Désolé, cette application n'est pas disponible sur votre territoire. Ça, c'est la galaxie, mon territoire! Utilisez NordVPN pour sécuriser votre connexion. De quoi tu me parles, sécuriser? Je suis Kylo Ren, mon gars, j'ai pas besoin de sécurité! C'est la seule manière de changer votre localisation pour profiter de tous les programmes bloqués sur votre territoire. Tu vas me régler ça vite fait, d'accord? Et maintenant! Refusé, vous n'avez pas un bal sur votre compte en banque. Savez-vous seulement ce qu'est un salaire? Vous êtes fauché. Vous voulez regarder une série Netflix ou jouer à un jeu vidéo inaccessible depuis chez vous en quelques clics? Surfez sur le net en toute sécurité depuis n'importe quelle chambre d'hôtel douteuse? Utilisez le lien en description pour bénéficier de quasiment 70% de réduction et un mois supplémentaire gratuit. Essayez-le pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Bon, si Kylo Ren passe de planète en planète comme un flipper, c'est pas par soif d'aventure, hein, non. Il veut retrouver l'empereur fantôme et s'en débarrasser gentiment, hein, histoire d'asseoir son pouvoir. Mais il va pas tomber sur n'importe qui. Et non, mes amis, alors quand on le croyait mort, Palpatoche est toujours en vie. Enfin, en vie, il est quand même bien cabossé, hein. Je suis un super fan, tu sais. Enfin, évite quand même de me serrer la main, hein, j'ai des doigts en compote. Et se retrouvant quand même confronté à un mec super en forme... À tout moment, je peux te découper en apéricube, le Vioc. Il lui propose un marché, sa place et son armée... Les forces du dernier ordre seront bientôt prêtes. Contre la peau... Doré. Cette fille n'est pas celle que tu crois. Qui est-elle? C'est celle avec sa coiffure en escalier, non? Oh, je te cause, c'est le dernier Jedi. Yes. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir, on s'en bat les couilles du reste. Hey, oh, parle-moi bien avec ton gros nez, là. What? Rey, de son côté, visiblement entraîné par la générale Leia et profitant de ses précieux conseils... Non, tu ne peux pas le faire à ma place. Il ne faut jamais sous-estimer un droïde. Apprend elle aussi que non seulement Palpatine est toujours en vie, mais qu'il a levé une nouvelle armée. L'empereur et sa flotte se cachent dans le monde d'Exegol. Et motivé par une brillante équipe. Je dois y aller seule. Oui, mais avec tes amis. Les risques sont trop élevés. On part avec toi. Brillante équipe qui n'aura pas grande utilité. Hein, entre Poe, la larme vivante... Ils sont d'ici. Il y a un destroyer qui approche. Il faut qu'on s'en aille. Faut décoller, ils arrivent. Dépêche-toi. Et Finn qui passera son temps à se battre pour garder sa place. On part avec toi. On continue. Rey, tu viens? Il faut qu'on la rattrape. Rey a bien compris qu'avancer seul reviendrait au même. Je vous rejoins tout de suite. Je vous retrouve au hangar. Elle a pris le traîneau de patrouille. Toujours est-il que notre petite équipe part donc à la recherche d'Exegol et se rend très vite compte que pour la trouver, il leur faut une boussole spéciale. Une sorte de boussole qui ne mène qu'à Exegol. Exactement, le même objet que Kylo Ren a chopé au début du film, voilà. La voilà donc partie pour une nouvelle aventure, avec le sabre laser de Luke, finalement. Hein. Non, parce qu'on n'est pas passé loin de rien avoir du tout. Je crois qu'il est temps. Ouais, non, j'aime pas, il est un peu trop lourd. Tu le vois, ce sabre? Tu vas le prendre, d'accord? Kylo Ren, de son côté, qui avait précédemment ratatiné son casque, hein, décide de s'en faire un nouveau et de réunir ses généraux pour parler de la suite du plan. Voilà. Ce sale macaque aurait pu m'en faire un nouveau au lieu de recoller l'ancien. Il faudra accélérer le recrutement. Le premier ordre est sur le point de devenir un véritable empire. Est-ce qu'on sait ce qu'il exigera de nous en échange?
Rien n'a changé depuis Vador, hein. Toujours cette bonne vieille rengaine du méchant leader masqué vêtu de noir qui étrangle ses généraux au moindre pas de travers. Le premier ordre est sur le point de devenir un véritable... On avait dit pas en meeting. C'est moi qui tout seul. En se basant sur les derniers écrits de Luke, qui était déjà à l'époque à la recherche de cette fameuse boussole, l'équipe de Rey débarque sur une mystérieuse planète. T'es sûr que c'est là ? Quelle étrange planète. Ces enfants sont complètement alcoolisés. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-ci ? Elle dit qu'elle serait très honorée de connaître votre nom de famille. Je m'appelle Rey. Ray du cul, voilà. Traduis-lui, oui, oui. Et là, pile quand on commençait un peu à s'amuser, Kylo Ren débarque dans l'esprit de Ray. Palpatine veut ta mort. Ok. Bonjour déjà, non ? En réalité, Kylo Ren n'a pas vraiment l'intention de la tuer. Alertez nos forces sur place et envoyez une division. Entendu, suprême leader. Entendu, méga suprême leader de la mort qui tue. Et grâce à l'aide d'un mystérieux bienfaiteur... Vous saviez qu'on était là ? Ils parviennent à prendre la fuite. On a repéré les fugitifs. Ah d'accord, donc c'est ça le fameux effet Disney alors. Ils s'enfoncent dans des sables mouvants. Je te l'ai jamais dit, mais... Ils finissent alors par trouver une mystérieuse dague clairement faite de mousse. Les coordonnées du lieu où se trouve l'orienteur sont gravées sur cette dague. Oh, c'est super, tu vas pouvoir nous traduire ça, hein ? Il s'agit de l'ancienne langue runique des Sith. Mes paramètres m'interdisent de la traduire. Prenez sa tête, on s'en servira comme clé USB sur l'ordinateur adéquat. Ça, c'est ce qui aurait dû se passer, hein ? Mais à la place... Il faut qu'on se remette en route. On trouvera bien quelqu'un pour traduire cette inscription. Ça veut dire qu'on part en voyage ? Oui, Ray, on part en voyage ! Youpi ! Et là, tout dérape très vite. Hein. Ray se prend un délire de marcher toute seule dans le désert. Je vous rejoins tout de suite. Ça va aller. Non, c'est pas le problème, Ray. C'est juste qu'on n'a pas le temps. Finn a un mauvais pressentiment et envoie Chewbacca au casse-pipe à sa place. Chewie, dis à Ray qu'on doit partir. Ah oui, prends la dague avec toi, tiens. Histoire d'entretenir un petit peu l'intrigue au cas où tu te ferais capturer. En général, le kidnapping d'un Chewbacca, Ray aurait dû s'en apercevoir. Finit par être prévenu par l'alarme vivante et décide d'arrêter sa petite promenade de santé pour arrêter le vaisseau. Ils emmènent Chewie ! Et évidemment, Kylo Ren débarque pour jouer des coudes. C'était Chewbacca, pour vous servir. Pas question d'abandonner maintenant, si on fait ça, Chewie sera mort pour rien. C'est lui qui avait la dague, on l'a perdue. Alors il faudra qu'on s'en passe. C'est impossible, c'était le seul moyen de savoir où est l'orienteur. Va vraiment falloir vous calmer sur ce foutoir, les gars. Non, parce que je veux bien croire, à la limite, que vous tombiez pile dans les sables mouvants qui vous mènent à la fameuse dague que cherchait déjà Luke à l'époque, hein. Mais cette histoire d'envoyer Chewie au casse-pipe chercher l'autre promeneuse avec la dague et qui, on ne sait pas comment, survit à une explosion improbable... Va vraiment falloir vous calmer, les gars. L'inscription qui est sur la dague est stockée dans ta mémoire? Oui, maître Poe. Ça me paraît logique. Je connais un craqueur de droïdes clandestin. Un craqueur de droïdes clandestin? Mais il est sur Kijimi. Et ça me paraissait logique d'en parler dès le départ, mais bon. On continue dans cette direction. J'ai appris qu'on t'avait repéré à la porte du moine. C'est quoi cette histoire? Oh, lui ne vous a pas non, dit sorry. Votre ami était passeur d'épices avant. C'est quoi un passeur d'épices? Passeur d'épices, d'épices. T'étais passeur d'épices? T'étais Stormtrooper? Oh les, attention, c'est de la pisse, hein, attention. Non mais, tu es idiot. Finalement, je suis pas sûr de vouloir savoir. T'étais passeur d'épices? T'étais pilleuse d'épaves? Vous pouvez dire pilleuse, hein, vous savez. Et au début, plutôt agressive. C'est toi qu'ils recherchent. La prime qu'ils offrent va nous tirer d'affaire. Notre petite dame masquée se montre très vite docile une fois la correction tombée. Je crois que t'es quelqu'un de bien. Elle voulait te vendre il y a 2 minutes, hein. Je dis ça, je dis rien. Ils arrivent alors chez ce fameux hacker, mais comme par hasard, il y a une couille dans le pâté, évidemment. Ça effacera complètement. Complètement ma mémoire. Tu veux dire qu'une fois qu'il les aura traduits, il se souviendra plus de rien ? Oui, c'est le principe d'effacement, effectivement, oui. Il est un peu bête, hein. Il sait bien conduire, mais réfléchir, ça prend du temps, voilà. Sinon, les gars,
Il y a un moyen très simple de sauvegarder ces données, hein. Ça s'appelle une clé USB, en fait. S'ils savent faire des robots, ils savent bien faire des clés USB, bordel. Ah, mais c'est pas vrai, mais ça n'est pas possible. Le système de C3PO est prévu de manière à ce que... Oh putain, je vais trop... Parce qu'un dispositif comme une clé USB ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce que tu fais, 3PO? Je regarde une dernière fois mes amis. Attendez, attendez, là-haut, vous êtes sûr que c'est pas l'autre fœtus, là, qui est juste incompétent, les gars? Il est pas trop tard pour une contre-expertise, les gars, hein? Oh, bon. Oh, merde, je le sentais pas, ce truc. Heureusement pour eux, ils obtiennent l'information. Le regardeur de l'Empereur est dans la chambre forte impériale. Avant que l'autre ne sombre dans l'oubli. Je le redis, jamais j'aurais fait confiance à ce mec. Et après avoir senti un léger fumet de l'entrefesse de Chewie. Chewie. Ils s'introduisent dans le vaisseau de Kylo Ren. Lâchez vos armes. C'est normal qu'on soit là. C'est normal que vous soyez là, c'est bon. Vous êtes même soulagé. Ah, vous voilà enfin. Soyez les bienvenus. Vous me trouvez super bonne. Ah mais que vous êtes séduisante là, madame. Ah oui, ah oui. Putain, ça marche. Et pendant que les autres s'occupent de Chewbacca... Évidemment qu'on l'est vu te chercher. Ouais, elle est là, elle est partie chercher la dague. Kylo Ren se réintroduit une nouvelle fois dans la tête de Rey. Ah ben c'est les portes ouvertes apparemment, hein. Tu sais pourquoi l'Empereur a toujours voulu que tu meures? Et en plus, pour lui annoncer probablement la meilleure nouvelle de sa life. Tu es sa petite fille. Tu es une Palpatine. Oui bon ça va à la crotte de nez, hein. Nous allons le tuer. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Trouvez pas qu'il a souvent la gueule du mec constipé, Kylo Ren? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oh, je... Les toilettes! Où sont les toilettes? J'en peux plus! Oh mon dieu, j'ai mangé trop de tacos! Choquée, mais résolue à retrouver cette boussole, elle continue sa route avec sa fine équipe. L'orienteur est là. Décidément, cette dague est le remède à tout, hein! Les gars, y'a plus de papier, quelqu'un pourrait m'aider. Mais bien sûr! Non merci, merci bien! Mais viens, je racle! Et c'est là qu'un nouveau groupe inconnu accueille nos amis. Ça vient d'un vaisseau du premier ordre. Ouais, d'un vieux croiseur qu'on a démonté. Finn, on l'a emmené tout bonnement sur tous les terrains glissants possibles et imaginables. D'abord, on le met avec Rose. Ensuite, les gars se sont dit, attends, ce serait quand même pas mal de le foutre un peu avec Rey, là, hein! On te l'a jamais dit, mais... Tu sais quoi? Je pense qu'après réflexion, avec Janna, il y a quelque chose, hein. Vous avez vu aussi. Je te laisse, je vais tenter quelque chose. Je reste avec toi. Bon, s'il vous plaît, revenons aux choses sérieuses. N'aie pas peur de ce que tu es. Alors, c'est ça que tu cherches? Non, pas du tout. Donc jamais tu me lâches la grappe en fait toi, hein? Comme je vous le disais plus tôt, Kylo Ren n'a pas vraiment l'intention de la tuer, hein. Son but depuis le départ, c'est de l'emmener avec lui du côté obscur de la Force. Elle par contre... Enfin, oui et non. Voilà, regarde, tu es guéri maintenant. Kylo Ren est choqué par le geste de Rey, hein. Il se dit en fait... Peut-être je suis peut-être pas obligé d'étrangler tout le monde en fait. Oui, Kylo Ren, oui. Tout le monde a ses blessures, ses faiblesses... Voilà, voilà. Salut petit. Ton fils est mort. Kylo Ren est mort. Je sais ce que je dois faire, mais je ne sais pas si j'aurai la force de le faire. Tu peux le faire. Voilà, c'est bien ça, fiston. C'est moi qui l'ai jeté, comme un grand. Papou? Pour le paiement, on s'arrange après, j'imagine? Ouais, ok, je prends PayPal, hein, y a pas de problème. Et Kylo Ren n'est pas le seul à balancer son sabre laser, non. Ce qui va forcément de pair avec... Ah, ils ont des morts de pas, hein. Je crois que même mort et enterré, il serait capable d'utiliser sa pierre tombale pour lui trouver un rôle à celui-là. Ma sœur avait quelque chose pour toi. C'était le dernier soir de son entraînement. Oula, on revient dans le passé, c'est dangereux ça les amis. Ouais, ouais. Elle m'a dit qu'elle pressentait que son fils mourrait. Oh non, quand non, elle non, non, non. Bon, le problème, il est gentil, Luc, hein, mais Kylo Ren a pété l'orienteur site, a pu boussole. Tu as tout ce qu'il faut, sois sans crainte. Il y en avait deux. C'est trop facile, putain! Allez, ça passe à la caisse maintenant, j'ai pas que ça à faire. Un peu quand même, hein. Qui a dit ça? Et pendant que la résistance s'organise... Je sais pourquoi nos mères et nos pères se sont battus. Rey retrouve et confronte Palpatoche. Tue-moi,
et mon esprit pourra passer en toi. Bon, clairement, panique à bord. Hein. Rey sait pas quoi faire, la résistance se fait rouster. Je suis désolé. T'es désolé de quoi? C'est pas fini, connard. J'ai cru qu'on avait une chance. Tu vas te reprendre ou je te décroche? Et là, qui lui vient en aide, évidemment? Enfin, disons plutôt qu'il vient en aide à Rey pour remplir le bide de Palpatine, hein. Mourez ensemble. Au même moment, la Résistance pense être sauvée, voyant leur allié arriver. Avant, bien sûr, que Palpatoche se transforme en Bobine Tesla et mette tout le monde d'accord. Le système ne répond plus à deux. C'est alors que dans son coma, Rey en appelle aux esprits des Jedi pour lui venir en aide. Soyez avec moi. Tous les Jedi du passé, vive la force t'entoure, Rey. Mais soyez plus précis, bon sang! Il électrocute la galaxie, le mec! Je suis tous les Jedi. Ainsi, le Vioc décède. Et le reste de l'équipe, hein, dont Finn et Janna, s'en sortent en surfant à la verticale sur un vaisseau. Et voilà comment. Ah. 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 Oh, 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 c'est quoi ce bordel là, les gars? Ça n'a pas de sens! Ça sert à rien de faire l'étonner, ça fait 4 jours que tu t'es pas brossé les dents, meuf. Non. Ah, ben oui, mon vieux, mais à force de papillonner, t'en paies les frais, mon gars. Ouais, tu es là. J'ai embrassé Kylo Ren et c'était vraiment bien, quoi. Ah ouais? Vraiment, vraiment bien. D'où vous venez, Général? Du système Gold. Et toi, petite? J'en sais rien. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ce retour dans la lointaine galaxie vous a fait kiffer. Attention les amis, la manière de choisir le prochain film a complètement changé. Alors j'ai bien lu vos commentaires, hein. Est-ce que je fais un Stropole? Est-ce que je continue comme ça? Mais alors vous trouviez pas forcément toujours les films en commentaire. Du coup j'ai trouvé la solution qui selon moi est la plus efficace. Le sondage se trouve dans l'onglet communauté de ma page YouTube. Vous le trouverez là, hein, c'est pas compliqué. Petite annonce secrète pour ceux qui sont vraiment restés jusqu'à la fin. Je prépare un prochain court-métrage très différent de ce que j'ai fait jusque maintenant. C'est un drame, voilà, c'est un drame, tout simplement. J'espère que ça vous touchera et que ça vous plaira. Vous m'en direz des nouvelles, je vous en dis beaucoup plus très bientôt. Ciao. See you next time. N'oublie pas d'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat.